Salut les amis de RFLJ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un autocar, comme la dernière fois sur l'Iveco Magellis. Cette fois-ci, il s'agit d'un autre véhicule, un autre autocar, une autre marque et donc un autre modèle. Comme vous pouvez le voir sur le titre de la vidéo ainsi que vous avez pu le voir aussi dans l'intro de cette vidéo, il s'agit donc d'un Temsa HD. Donc peut-être que c'est une marque que vous ne connaissez pas, c'est pas une marque qui est forcément très 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 répandue, il y en a quelques-uns, mais c'est pas ce qu'on trouve le plus sur le marché. Donc Temsa c'est une marque turque, de niveau finition assez basse, donc c'est assez du low cost. Même si vous le verrez, ce véhicule franchement il est plutôt pas mal. Donc Temsa HD, il s'agit du véhicule on va dire milieu de gamme. De chez Temsa, en entrée de gamme, on va avoir du MD sur des minibus et puis on va aussi avoir des Temsa LD, notamment pour les scolaires ou les lignes. Voilà, c'est un peu l'équivalent des Intouro ou Crossway. Donc cette fois-ci, donc c'est le HD. Et puis je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a encore au-dessus du HD le Temsa Marathon. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est le Temsa HD. Le HD, il a par exemple, comme à chaque fois je vous parle de la chronologie, le HD c'est le fils du Safari, donc le remplaçant du Safari chez Temsa. Donc voilà, c'est à peu près tout. Après c'est donc une gamme, un modèle qui est encore actuel. Et puis bon voilà, après c'est pas la peine de forcément très chercher, trop chercher. Plus loin au niveau des modèles, donc voilà. Donc il y a eu le Temsa Safari, maintenant le Temsa HD. Et bien écoutez, je vous propose qu'on fasse le tour du véhicule, qu'on regarde un petit peu à quoi il ressemble, et puis voilà. Allez, donc voici ce Temsa HD à l'image. Alors pour être plus complet sur son appellation, c'est un Temsa HD 13, comme vous pouvez le lire ici. Donc 13, pourquoi? Et bien tout simplement parce que c'est un véhicule qui fait 13 mètres de long. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'est on va dire la gamme assez moyenne. On va dire si le Temsa Marathon bien sûr existe encore. J'avoue que je n'ai pas vérifié cette information. Mais donc le Temsa HD, donc celui-ci en plus il est tout équipé. Franchement, je crois qu'il est full option niveau de finition, etc. Vous verrez. Il est en tout cas en finition tourisme. Donc le voici à l'image. Alors déjà pour commencer. Vous pouvez voir la petite particularité. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur l'Iveco Magellis. Vous vous souvenez peut-être que sa livrée était grise et bleue. Et je vous avais expliqué que le gris était dû en fait bien à son ancienne livrée qui était la livrée LER. Qui était passée ensuite en Zoo. Et donc la livrée Zoo avec fond blanc et autocollant bleu. Donc celui-ci, ce Temsa, il est vraiment dans la couleur officielle du réseau Zoo. Donc vous pouvez voir la différence entre les deux couleurs, donc peut-être que vous avez une préférence. Moi j'avoue que cette livrée blanche et bleue, moi j'aime beaucoup. Donc une très belle livrée, un très beau véhicule, avec donc on va en reparler un petit peu, avec la face avant qui est assez ronde, qui est assez haute aussi. Le pare-brise monte vraiment très haut et descend très bas aussi. Alors ça peut-être que ça vous saute pas aux yeux, mais je vous garantis que quand je passe la brosse sur le pare-brise, je sens que je dois aller un peu plus haut que par exemple sur le Magellis. Donc voilà, donc une belle bouille, un beau petit regard aussi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un joli véhicule. Bon, alors il est dans la continuité de ce que faisait Temsa avec le Safari, hein. C'est à peu près les mêmes véhicules. Donc là, je vous fais voir un petit peu la face avant, on détaillera un petit peu après, hein. Là, on fait vraiment le tour du propriétaire. D'ailleurs, je vais vous passer en ultra grand angle, comme ça, vous aurez vraiment une... voilà, tout de suite, voilà, comme ça, vous avez une meilleure vue, un peu plus globale. Donc, sur ce véhicule, donc un véhicule traditionnel, hein, pas à étage ni quoi que ce soit. Donc, vous avez vu l'avant, vous voyez un petit peu la partie latérale. On va passer maintenant à l'arrière. Donc voilà, une partie arrière que j'aime beaucoup. Donc vous avez pu voir d'ailleurs que les vitres étaient surteintées avant, arrière, enfin sur les côtés plutôt et à l'arrière, parce qu'à l'avant ce serait un petit peu compliqué. Donc voilà, donc une partie arrière qui est assez jolie avec donc la vitre. Ici les feux, je trouve qu'ils sont très beaux ces feux. Je vais vous faire voir ça un petit peu en dézoomant un peu.
Voilà, donc des feux très jolis. Donc, si je ne dis pas de bêtises, le feu de position se trouve sur la partie que je viens de vous faire voir, la partie rouge un peu plus foncée. Je crois que c'est de la LED. Voilà, donc après, on voit un petit insert chromé dans le feu. Donc, ça, c'est assez joli. Et puis, les grilles d'aération sur le capot. Donc voilà, donc un véhicule vraiment, hein, je le dis encore une fois, un véhicule que je trouve vraiment très réussi. C'est peut-être pas aussi beau que le Magellis, mais c'est quand même, je trouve, c'est ça, une belle gueule, quoi. Voilà, on va repartir un petit peu détailler la partie avant et puis la partie latérale. Alors je sais pas si ça ressort bien la caméra, je vais m'en rapprocher un peu plus. Juste en dessous de la vitre, vous avez une espèce de ceinture grise. Alors c'est pas du chrome, hein, c'est de la peinture, mais c'est plutôt une bonne idée, je trouve, avec ici donc cette partie en plastique grise qui redescend comme ça, avec une partie noire, le logo HD13. Donc voilà. Après aussi, on peut noter au-dessus des roues, on peut noter qu'il y a un trait de design. Hein, vous voyez ce trait-là comme ça. Je trouve que c'est assez réussi, on l'a aussi en partie arrière. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'image. De ce côté-ci, on a trois soutes. Alors cette soute-là, pardon, ce n'est pas une vraie soute puisque c'est la couchette. Couchette qui peut vous paraître assez large. Je vous la ferai voir tout à l'heure. Elle est vraiment large, très confortable. Donc ça, c'est un bon point aussi pour ce véhicule. Donc ce côté, le réservoir et puis encore la partie noire qui vient prolonger la partie qu'il y a juste en dessous des vitres, et puis qui vient prolonger aussi la vitre conducteur. Vous voyez une partie noire au-dessus de la vitre conducteur. La vitre conducteur, encore une fois, qui elle n'est pas surteintée. Et puis la face avant, avec des rétroviseurs qu'on peut retrouver sur des VDL Futura. Et si je ne dis pas de bêtises, sur du Volvo 9700, je suis pas sûr. Je crois avoir aperçu ça il y a quelques jours, mais j'ai pas regardé en détail. Donc voilà, mais en tout cas VDL Futura, ça je suis sûr. On voit au-dessus du pare-brise qu'on a deux feux de gabarit. Et puis ensuite, la face avant, donc avec le bandeau zoo, le petit carré noir, hein, comme je vous avais déjà expliqué sur le Magellis. C'est là où se trouvent les radars, etc., les capteurs. Il y a aussi une caméra ici. Voilà. Et puis ensuite, les phares. Avec des petites LED, donc des LED qui s'allument seulement, hein, ce trait de LED, qui s'allume uniquement lorsque nous mettons les feux de position et aussi les feux de croisement, mais ce ne sont pas des feux diurnes. Les feux diurnes se trouvent dans les feux de brouillard. Voilà. Et ici, on a des petits gicleurs. Alors, j'ai jamais vérifié si ça fonctionnait ou pas. C'est bon, j'imagine des laves phares, mais j'ai jamais vérifié si ça fonctionnait ou pas. Le logo TEMSA, hein, au-dessus de la plaque d'immatriculation. Donc un joli petit logo aussi. Et puis ensuite la deuxième partie latérale avec donc les portes, la porte PMR. Souvenez-vous, je vous avais expliqué à quoi ça servait. Je ne vais pas vous l'ouvrir celle-ci, mais voilà. Donc la porte PMR, c'est exactement le même système, hein, avec la plateforme qui sort de derrière cette porte et puis une soute ici. Voilà, une deuxième petite soute ici. C'est à peu près la même configuration en ce qui concerne les soutes que sur le Magellis. Ici, on a tout le système de toilette, etc. Et ici, donc, nous arrivons à la couchette. Comme vous voyez, cette genre de petite fenêtre, c'est qu'il y a une couchette derrière. Et donc, je vais vous l'ouvrir. Vous allez voir ça tout de suite. Donc voilà. Donc, c'est bon, j'ai pas fait le rangement avant. Il y a un oreiller, une couverture, voilà. Et puis les chaînes, le sac de chaînes derrière, bon voilà, hein, vu que c'est un véhicule de ligne régulière, on se sert peu de cette couchette. Moi j'avoue que je m'en sers de temps en temps, hein, vous pouvez voir bien sa largeur. Donc avec l'accès depuis l'intérieur qui se trouve ici, donc ça, quand je vous ferai la visite intérieure, je vous expliquerai, enfin je vous ferai voir surtout. On a un petit radiateur ici, la partie métallique que vous voyez là. Et ici, on a un panel avec un haut-parleur, un téléphone qui donne au poste de conduite. Donc ça, c'est pareil, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et ici, nous avons tout ce qui est chauffage, etc. Bon, haut-parleur. Donc les petites touches qui se trouvent ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est sympa.
Et puis ici sur la petite fenêtre que je vous expliquais, donc c'est une fenêtre qui est entrebâillante. Voilà. Donc si vous avez un petit peu chaud ou quoi, vous avez besoin de prendre un peu l'air, c'est toujours très utile. Et ici on termine avec encore un réservoir. Ici c'est le réservoir d'Adeblue. Je vous avais déjà expliqué aussi en quoi ça consistait. Donc vous pouvez voir ce bon gros moteur, un moteur Packard. Donc Packard c'est DAF, donc c'est un moteur DAF, un moteur américain. Et donc vous pouvez voir la bête de 430 chevaux si je ne dis pas de bêtises. Toujours avec ces immenses courroies qui vont du moteur vers le gros ventilo qui est ici. On voit aussi que ça peut aller vers le compresseur de clim qui se trouve là. Voilà, filtre à gasoil. Voilà, donc, et là on a le vase expansion. Alors, petite particularité sur ce moteur qui est assez dérangeante, c'est que le vase expansion ne dispose pas de niveau pour vérifier le niveau de liquide de refroidissement. Donc, ça c'est assez dérangeant. Voilà, après ici on a la jauge d'huile, niveau d'huile. Ici, le bouchon de remplissage, d'huile moteur, etc. Et vous pouvez voir à peu près là, hein, vous voyez ici, il y a le logo Packard. Donc qui nous prouve que c'est un moteur DAF. Donc voilà, donc un vrai bon gros moteur. Je vous expliquerai, je vous parlerai après de ses performances. Et puis alors quelque part par là, je ne sais pas où exactement, je pense que ce serait peut-être cette partie là on a aussi des lampes qui s'allument lorsqu'on ouvre le capot, toujours pratique la nuit. Voilà, donc bon, je pense que en ce qui concerne la partie extérieur, on a tout dit. On va faire là une petite pub des autocars payants. Toujours merci à cette entreprise pour m'autoriser à faire les vidéos sur les véhicules. Donc autocars payants assisteront. Donc voilà, un devis, etc. Comme la dernière fois, n'hésitez pas. Voilà, allez, on part maintenant dans la partie intérieure. Donc la soute, je vais la laisser comme ça, on refermera ça tout à l'heure. Alors notez la particularité, c'est que de ce côté-ci du véhicule, nous avons les soutes qui s'ouvrent de cette manière-là. Et de l'autre côté, on a des soutes, si vous voulez, je peux aller vous montrer ça vite fait. On a des soutes qui s'ouvrent en long du véhicule, donc un peu plus pratique. Par exemple, regardez, on va faire l'autre côté de la couchette. Voilà, donc vous voyez, l'ouverture ne se fait pas de la même manière. Je trouve ça un peu plus pratique et un petit peu plus, on va dire, moderne. Un peu moins dangereux surtout, parce que des fois, ça peut nous arriver de se cogner avec le système qu'il y a de l'autre côté. Voilà. Ben, écoutez, moi, je vous propose qu'on monte tout de suite à l'intérieur. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai ouvert la porte. Donc, avec toujours les touches habituelles. La touche ici, et nous avons une deuxième touche ici qui cette fois-ci sert normalement à ouvrir la porte arrière. Bon, là j'ai la soute qui est ouverte, donc la porte arrière ne va pas s'ouvrir, mais ça aussi c'est extrêmement pratique d'avoir des boutons comme ça à l'extérieur. Vous voyez donc l'entrée du véhicule avec le siège guide, cette fois-ci pas de cafetière, on a juste des maintiens, hein, des poignées, avec une poignée qui est quand même assez curieuse ici, puisqu'elle monte vachement haut. Voilà, donc ça c'est bon, c'est assez pratique. J'ai remarqué que par exemple le haut de la porte est assez bas, et c'est vrai que moi qui suis assez grand, pour descendre de ce véhicule là il faut que je me baisse un petit peu plus que sur d'autres véhicules. Donc voilà, ensuite donc vous avez vu le siège guide, les marches, bon ben voilà, hein, des choses classiques. Et puis ici le poste de conduite que je vais vous détailler une fois avoir changé mon stabilisateur. Donc voilà la planche de bord que vous voyez ici à l'image. Donc là vous avez une vue globale un petit peu de toute cette planche de bord avec ici la glacière. Donc un petit trait de design encore, hein. Ça c'est les gimmicks RFLJ. Les traits de design, et puis ici nous avons la glacière avec les réglages de température, etc. Ici je vois un petit rangement, pourquoi pas, pour mettre le smartphone du guide. Donc une planche de bord quand même assez plate, avec ici néanmoins des petits rebords. Voilà, le bouton service pour le siège guide. Ici vous voyez aussi
une petite encoche pour mettre les pieds du guide. Voilà, en ce qui concerne cette planche de bord, ici vous avez les systèmes de caméra, etc. qu'on voit de l'extérieur. Et puis ici la caisse avec la biétique, etc. Bon, ça vous connaissez, c'est comme sur le Magellis. Ce qui nous intéresse, nous, c'est cette planche de bord. Donc je vais vous mettre le contact. Voilà, donc deux crans pour pouvoir mettre le contact. Donc je ne vais pas le laisser. Parce que ce véhicule, quand il n'a plus trop d'air dans le système, comment dire, dans le système, voilà, de circuit d'air, hein, il bip. Voilà, vous pouvez entendre ce petit bip. Donc ça, c'est assez fatigant. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais juste vous montrer l'écran. Donc l'écran, il est comme ceci. Alors, désolé pour la poussière, c'est vrai que j'aurais pu passer un petit coup de chiffon juste avant. Donc, on a deux touches. Une touche pour la luminosité ici, et ici, on a une touche pour accéder au menu. Donc, une pression, on a la pression d'air, la pression de freinage. Ensuite, on accède au niveau d'AdBlue. Encore une fois, on voit l'huile, enfin la pression d'huile, le niveau de batterie, le niveau d'huile qui normalement apparaît juste après. Bon, là ça ne fonctionne pas, mais normalement on peut y accéder. Et quand on reste longtemps appuyé, on remet à zéro le compteur kilométrique qui se trouve ici. L'jauge à carburant, le compteur de vitesse, le compte tour et ici la température de circuit de refroidissement. Voilà, donc un compteur assez classique qu'on peut retrouver sur pas mal de véhicules. Donc je coupe le contact. Voilà, la petite dame qui fait ses tests, comme d'habitude. Ici, donc l'autoradio double face. Voilà, donc ici on a tout ce qui est radio, etc. On n'a plus de lecteur CD, hein, c'est des nouveaux autoradios. On a par contre prise de jack, prise USB et lecteur carte SD. Donc ça, c'est assez moderne. Bon, néanmoins, je trouve que c'est quand même dommage d'arrêter les lecteurs CD, puisque bon, on écoute encore pas mal de CD en musique aujourd'hui, donc je trouve que c'est dommage que les constructeurs arrêtent ça. Donc autoradio Bosch, avec donc ma prise de jack que vous voyez qui est branchée là. Et puis ensuite, on a des touches. Alors là, il en manque une, c'est une touche factice. Le petit bip que vous avez entendu, c'est l'éthylotest qui s'est remis, qui s'est réinitialisé. Ici, on a l'aide au démarrage en côte. Ensuite, ici, on a désembuage rétroviseur, désembuage de la vitre conducteur. Ensuite, le store côté passager qui se trouve là, ici, rangé dans les petites rainures. Ensuite, ici, on a tout ce qui est éclairage du véhicule, donc l'intérieur. Hein. Les feux de détresse, évidemment. Verrouillage, déverrouillage des soutes à bagages et puis ensuite porte avant, porte arrière. Voilà, donc de ce côté-là, c'est pas très compliqué. Ensuite ici, le cadran de girouette et puis des petits rangements qui se trouvent juste en dessous. On a ensuite ici le levier de vitesse, ZF Aestronic, donc une boîte ZF, 12 rapports, boîte auto évidemment. C'est un levier de vitesse que vous pourrez retrouver sur les Vanol Altano. Donc prochaine vidéo autocar, ce sera normalement un Vanol Altano. Donc c'est la même boîte, un moteur Packard aussi. Donc c'est à peu près les mêmes motorisations. Et puis ensuite ici donc un petit rangement. Enfin c'est pas un rangement, mais on peut toujours glisser un stylo ou quelque chose comme ça. Et ici là par contre c'est un rangement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous verrez aussi qu'il y a d'autres rangements ailleurs. Donc c'est un véhicule qui est assez pratique de ce côté-là. Un GPS TomTom, donc assez intéressant comme GPS, il est assez complet. Et puis juste en dessous, on a les caméras de surveillance intérieure. Ensuite ici, on a le bouton pour activer ou désactiver l'aide de maintien dans la voie. En fait, ce truc il consiste à faire vibrer un côté du siège, que ce soit droite ou gauche, hein, peu importe. Quand on dépasse une ligne, si on dépasse la ligne droite, on a le côté droit du siège qui va vibrer. Bon, ça c'est pour activer désactiver la EBS. Ça c'est pour régler. En fait, si vous voulez, les radars qu'on a vu, le carré noir qu'on voit à l'extérieur, il sert tout simplement si vous roulez. Donc là, on a limiteur de vitesse. Il y a pas. Régulateur, voilà, je m'emmêle les pinceaux. On a régulateur de vitesse, on n'a pas limiteur de vitesse.
Donc, le limite, le régulateur, je vais y arriver. Ça, c'est pour un régulateur classique. Et ça, c'est pour le régulateur. Si vous arrivez, par exemple, sur l'autoroute, vous roulez à 100 km/h, vous arrivez derrière un camion qui, lui, roule à 80 ou à 90, si vous ne le dépassez pas, le véhicule, le car va rester à une certaine distance de ce véhicule, va se caler sur la vitesse du véhicule en face, ou par exemple, s'il y a un coup de frein devant le véhicule, le car va freiner tout seul. Et donc ça, c'est pour augmenter ou diminuer la distance qui vous sépare du véhicule de devant à vous quand vous utilisez donc ce système. Ici, bon, ça c'est coupe-circuit, et ici c'est girouette. Bon, sur les dessins, c'est ça que ça représente, en tout cas dans d'autres véhicules que j'ai pu conduire. Donc j'imagine que dans celui-ci, ça représente les mêmes choses, mais bon, ces touches, elles servent à rien. Sur ce véhicule-là, on peut appuyer comme on veut, il n'y a rien qui se passe. Ici, c'est pour le transport d'enfants. Ici, c'est pour, juste en dessous, c'est pour accoupler-désaccoupler le ralentisseur au à la pédale de frein. Et puis ensuite, ici, la SR, la hauteur du véhicule. Et ensuite, ici, recyclage de l'air intérieur. Enfin, évacuation surtout. Ici, c'est pour couper le bip de recul. Et ici, c'est pour choisir le klaxon. Il y a deux sons différents. Un peu, quand on appuie comme ça, c'est le gros son de klaxon, bien comme il faut, de poids lourd. Et là, c'est un tout petit klaxon assez ridicule. Bon, ça, c'est surtout pratique pour quand on est en centre-ville. C'est un petit peu moins dérangeant pour les habitants. Ici, le chrono tachygraphe numérique. Donc, ça, c'est un toute dernière génération. Avec l'éjection qui se fait en restant appuyé ici, le petit tiroir va sortir la carte. Donc, c'est plus la carte qui sort toute seule, c'est un petit tiroir carrément. Ici, le panel de clim. Donc voilà, hein, ça c'est assez classique. Je ne vais pas le détailler, ça sert à rien. Donc vous pouvez voir ici que c'est la hauteur du véhicule qui fait 3,61 m. Le réglage des rétroviseurs électriques, évidemment. Et puis ici, on a le panel des éclairages. Donc feu de position, feu de croisement. Ici au commodo que vous voyez avec le klaxon, le commodo ici, vous mettez les feux de route ou pas. Et puis ici, quand on tire une fois, on a les feux de brouillard avant qui s'activent. Et quand on tire deux fois, les feux de brouillard arrière qui s'activent, etc. aussi. C'est à peu près le même système qu'on peut retrouver chez Mercedes. Si vous avez vu les vidéos de l'Intouro, ben, j'en ai parlé. Le frein de parc juste à côté, voilà. Et puis ici, le réglage du volant, le store conducteur, la vitre, la lumière conducteur. La PMR, vous voyez derrière ma lunette, il y a ici donc l'activation pour la PMR. Et puis ici, la touche de verrouillage, déverrouillage et activation des toilettes. Donc un petit panel assez sympa avec un porte-gobelet. Ici, normalement, on avait un petit bouchon. Bon, c'est un chargeur 12 volts. Et ici, un allume-cigare. Pour en revenir à ce qui concerne le porte-gobelet, donc comme je vous l'ai dit, vous allez le voir après, je vais encore plus vous le faire voir. Comme je vous l'ai dit, c'est un véhicule qui est très pratique parce qu'il y a pas mal de rangements à peu près partout. Donc ça, c'est pratique. Mais par contre, ici, on ne peut pas mettre autre chose qu'une petite bouteille d'eau ou qu'une canette. Donc par exemple, si vous mettez une grosse bouteille de 1 litre, on n'a pas vraiment de rangement. Donc moi, j'essaye de la caler derrière, là, si vous la voyez. Mais bon, ce n'est pas fait pour. Des fois, ça bouge. Donc ce n'est pas forcément très pratique. C'est le seul petit défaut que je trouve au niveau des rangements dans ce véhicule. Ici, on a donc le cendrier et puis un petit rangement encore en dessous que moi je me sers comme poubelle. Ensuite, ici, on a une espèce d'accoudoir avec un super rangement. Donc ça, encore une fois, quelque chose de très pratique. Et puis voilà, après, ce qui concerne ici, on a à côté de la vitre un store que vous pouvez voir ici, avec les petites ficelles pour régler juste là, un porte-manteau, comme vous voyez ma veste qui est accrochée, la vitre surteintée qu'on voit de l'extérieur, ben, elle se trouve ici, et en haut on a lumière, caméra, aérateur, etc. En ce qui concerne les aérateurs, on en a aussi ici, bon ça c'est assez normal, assez classique. Donc en ce qui concerne les rangements, donc je vous ai fait voir donc deux rangements, et il y a encore ici en haut, des rangements là, donc de chaque côté, et des rangements ici. Donc ça, c'est très pratique, ça pour mettre les affaires du conducteur ou même du guide, hein, parce qu'il y en a un ici, mais il y en a un également ici. Et là, on a deux autres rangements. Donc ici, c'est pas mal tout ce qui est lecteur DVD, etc., du véhicule. Et ici, donc, on peut ranger, eh bien, encore des affaires. Donc très pratique, très très pratique. La télé qui se trouve juste ici, qui normalement se déplie, le logo Temsa ici, donc ça c'est joli aussi.
Ici, on a l'heure, etc. Les affichages pour les passagers. Avec sur la girouette extérieure, donc c'est ce gros bloc noir. Ici, on a la girouette intérieure. Donc, qui montre, qui explique aux gens où nous sommes. Voilà. Ensuite, ben, on va passer à la partie des passagers. Avec donc les places comme ça. Donc, ce véhicule, je crois qu'il fait à peu près 62 places, quelque chose comme ça, 61 places, 60 places, mais je crois qu'il fait la soixantaine de places en tout cas. Donc, des sièges que vous pouvez voir, bah, qui sont très jolis. Donc, c'est un véhicule qui est équipé pour le tourisme. Donc, comme je vous l'ai dit, il est tout équipé pour les passagers, c'est vraiment confort. Donc, avec en plus plusieurs couches au niveau des sièges. Donc, une belle finition, un joli tissu, une belle sellerie. Ici, on a le toilette. Bon, il est fermé. Désolé si vous avez envie de voir le toilette. Bon, c'est un toilette. Hein, c'est comme le Magélis. Si vous voulez voir un toilette de car, allez juste voir la vidéo du Magélis. Ici, on a encore une télé qui, elle, par contre, ne se déploie pas. Elle est déjà fixe. Et dans la porte, vous voyez ici, il y a une petite poubelle pour les passagers. Donc, ça, c'est toujours assez pratique. En ce qui concerne l'assise, etc. Je vous ai fait voir les sièges, je vous ai fait voir la sellerie, mais il y a également des ceintures 3 points, et ça c'est très important parce que en général sur les cars on n'a que des 2 points. Donc là on a du 3 points sur tous les sièges, l'intégralité du véhicule. Donc ça c'est un gage de sécurité qui, je trouve, n'est pas négligeable. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis ici, donc les trappes de toit en verre, donc ça aussi c'est joli, ça rapporte un petit peu de luminosité. Ensuite, là, on a des LED sur ces parties en plastique et puis les porte-bagages juste ici. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Eh bien, je peux vous raconter que ce véhicule dispose de cale-pieds, comme vous pouvez voir, hein, juste en dessous des cale-pieds, et puis des tablettes ici qui se déploient, ou alors juste un porte-gobelet. Donc, voilà, un véhicule très bien équipé. Et puis en dessus, on a donc ici un espèce de simili-cuir avec ici un plastique assez joli. Et puis ici, donc, le panel avec les vitres, enfin les lumières, pardon, etc. Les aérateurs, le haut-parleur. Enfin voilà, des choses assez classiques. Alors, laissez-moi réfléchir 5 minutes si je vous ai tout dit. Je ne vous ai pas parlé de la qualité. De ce véhicule. Alors, il faut savoir que, comme je l'ai dit en début de vidéo, il faut savoir que Temsa est une marque low cost. On pourrait l'assimiler assez à Dacia en ce qui concerne l'automobile. Donc, bon, c'est pas forcément une marque qui est très bien connue pour son niveau de finition. Je dois avouer que celui-ci, bon, c'est sûr, j'ai vu mieux, mais quand même, il se défend plutôt pas mal. Niveau par exemple plastique de la planche de bord, c'est pas du plastique vraiment super dur, c'est un plastique assez un peu avec des picots. Comme vous avez vu sur le 1007, l'avant-dernière vidéo de la chaîne, vous avez vu que bah, c'est à peu près pareil. La finition, le plastique, c'est à peu près le même. Voilà. Après, c'est sûr, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, franchement, ce véhicule il est vraiment pas mal. Notamment au niveau de la conduite, franchement, c'est un des meilleurs véhicules que j'ai conduit. C'est pas le meilleur, mais c'est un des meilleurs. Il est très très agréable avec un moteur très performant. 430 chevaux, comme je vous l'ai dit, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vraiment, ça marche. Il a un châssis qui est vraiment. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, le Magélis, c'est tranquille, c'est mou, ça penche, il y a du ballon. Le Magélis, ça vraiment n'a rien à voir avec le HD. Le HD, vraiment, il se conduit, il est très performant, il est très nerveux. Le train avant est assez incisif. Il n'y a pas trop de ballon. Franchement, c'est un véhicule qui est vraiment à la conduite très 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 agréable. J'aime vraiment beaucoup ce véhicule. Donc, voilà, donc un bon car. Malgré que ce soit du Temsa, alors c'est sûr, hein, il y a des trucs qui sont pas ouf. Par exemple, la porte PMR, je devrais pas le dire, mais je le dis quand même. C'est déjà arrivé qu'elle s'ouvre en roulant, plusieurs fois même. Bon, ça, c'est, vous inquiétez pas, hein, si vous prenez ce véhicule, c'est un souci qui est réglé. Mais au début de sa carrière, voilà, il y a eu des trucs à resserrer dans le moteur, etc. Donc, voilà, donc c'est pas la meilleure des marques, mais franchement, ils ont fait de très bons progrès. Donc, voilà, donc moi, j'ai juste à dire bravo Temsa, et puis continuer sur ce rythme-là.
Voilà, voilà les amis, j'espère que j'ai fait le tour de ce véhicule. Je pense que j'ai pas loupé grand-chose. Si jamais vous avez des questions, s'il y a quelque chose que j'ai passé trop vite ou que j'ai même pas du tout parlé et que vous avez envie de savoir, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, hein, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc c'était le deuxième véhicule, le deuxième autocar de la chaîne. On se retrouve dans 2 mois à peu près pour parler d'un Vanhall TX Altano normalement et en fin d'année. Vous aurez l'occasion de connaître un véhicule que moi-même je ne connais pas, une marque que j'ai jamais conduite, qui va arriver dans l'entreprise normalement. Je ne vous dis pas encore ce que c'est, mais je pense que ça va vous plaire. Moi en tout cas, ça va me plaire, donc ça va être intéressant. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On fait un coucou à René, hein. René qui n'est pas avec moi évidemment, comme la dernière fois, je vous avais expliqué que lorsque je travaille, ben, René ne peut pas être présent. Donc coucou à René, coucou à vous tous les followers, merci de nous suivre, merci pour les likes, les commentaires, les abonnements, si ce n'est pas encore fait, ben d'ailleurs allez vous abonner sur la chaîne RFLJ Auto Collection, également sur notre Instagram, également sur notre Facebook, et puis ben, portez-vous bien d'ici la semaine prochaine, peut-être qu'il y aura une vidéo mercredi, on verra, sur la Xara, sinon ce sera le week-end prochain sur miniature je crois, ou véhicule réel, non ouais, ce sera une voiture réelle je crois. On verra si on peut faire du tournage. Voilà les amis, en tout cas à la prochaine et puis portez-vous bien d'ici là. Ciao ciao!